Bonjour à vous, bienvenue sur Ange Crochet. Voici pour un nouveau tutoriel. Comment faire un ange au crochet? Cet ange, je l'avais déjà fait sur une ancienne chaîne, mais comme j'ai récupéré celle-ci et je voudrais aussi dire un grand merci à mes 277 abonnés. Voilà, je vous dis un grand merci pour vous êtes abonné à ma chaîne. Je suis heureuse de voir que j'ai du monde qui ça, mes tutos plaisent. Voilà ce bel ange. Un bel ange comme celui-là. Vous n'avez pas à m'y donner parce que je l'ai doublé. J'ai doublé la laine. Vous remarquerez qu'il brille. C'est une laine de chez Zeman qui a des brillants partout. Voilà. Et qui tient tout seul, bien sûr. Vous voyez? Vous n'avez pas à m'y donner. Alors, soit c'est une décoration pour Noël dans un arbre. Alors, vous pouvez rajouter, bien sûr, ici au chapeau, un tout petit, une petite maille chaînette, pas grand-chose, pour l'accrocher. Ou soit sur une cheminée, sur une table. Ou même ça peut servir aussi, pourquoi pas, pour des mariages, pour que ça vous porte bonheur. Voilà, moi j'appelle ça l'ange du bonheur. C'est comme notre association, les anges du bonheur des Landes, et bien c'est exactement notre ange. Mais celui-ci a été réservé. Voilà, il m'a été réservé pour une personne très gentille. D'abord j'ai fait coucou, ma petite Lily, elle comprendra très bien. Voilà, ce bel petit ange que vous voyez, on va le commencer. Alors, pour ce fait, pour faire cet ange, je prends deux laines. Alors, des laines. Prenez assez fine. Moi, j'ai pris de laine de bébé. C'est de la laine de bébé. Donc, je vais les doubler. Crocheter un numéro 4. Numéro 4 ou 3,5, tout dépend parce que la laine n'est pas tellement si grosse que ça. Parce que celle-là, je l'ai fait un numéro 4 pour qu'elle tienne. Je pense que 3,5 fera l'affaire. Je vous retrouve tout de suite pour le restant du tutoriel. Me voilà. Donc, tout dépend de la grosseur de votre laine. Si vous utilisez de la laine assez épaisse, vous pouvez faire crocher 4, 5 ou 4 et demi même. Moi, j'ai pris de la laine très fine. C'est de la laine de bébé. Voyez? Donc, je pense que oui, je vais faire avec du 3 et demi. Parce que 4, j'ai peur que ça soit un peu trop grand. Donc, on va faire du 3 et demi. On va commencer à faire, bien sûr, la tête de notre ange. Voilà. La tête de l'ange. Donc, pour ça, il faut que je vous dise exactement combien de mailles vous devez avoir. Attendez. Voilà. Donc, je prends ma laine. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal. Voilà. Je prends ma laine. On va la doubler. Comme ça. Et on va faire un cercle magique. Alors, le cercle magique, regardez bien, vous promenez vos deux doigts et vous allez croiser comme ça. Voilà. Il faut que vous croisiez la laine. Vous allez mettre le crochet en dessous de la première laine. Vous allez ressortir la deuxième. Vous allez faire une maille en l'air. Voilà. Et vous lâchez. Et maintenant, vous allez pouvoir travailler à l'intérieur. Vous allez faire trois mailles coulées qui comptent pour une bride. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 19 brides. Donc, on va faire 19 brides. Je vous retrouve dès que nous avons fini les 19 brides dans le cercle magique. À tout de suite. Voilà, vous avez fait le tour de votre cercle magique. 20 brides en comptant la première bride de départ. Vous allez serrez, pas trop fort quand même pour pas casser, pour pas couper votre fil. Vous allez bien serrer et vous allez faire une maille coulée. Une, deux, à la troisième maille ici. Vous allez faire une maille coulée. Voilà. Vous allez faire maintenant trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Vous allez faire dans chaque maille bride sur bride. Tout le tour. Bride sur bride. Tout le tour. Je vous reprends tout de suite dès qu'on arrive ici. À de suite. Voilà, vous avez fait bride sur bride. Maintenant, voyez, on a fait la tête. Voilà. Ça forme une petite tête d'ange. On a fait ce qu'on appelle ici, voyez, la petite tête là. Maintenant, vous allez compter une, deux, à la troisième ici, vous allez faire une maille coulée. Voilà. Pour fermer. Trois mailles en l'air et on va faire un rang de diminution.
pour diminuer la tête. Donc, pour faire des diminutions, ce n'est pas compliqué. Vous avez fait vos trois mailles en l'air. Vous allez à la prochaine bride ici. Vous allez faire une bride non finie. Attendez, je me suis trompée. La première bride, elle est là. Voilà, vous allez faire ici, à l'intérieur, une bride non finie, un jeté à travers deux. Vous avez deux mailles sur le crochet. Un jeté, vous allez à la prochaine maille et vous allez faire un jeté à travers deux. Maintenant, vous allez prendre à travers les trois. Voilà, les diminutions. Je recommence avec vous. Je fais un jeté, je vais chercher le fil. Un jeté à travers deux. Un jeté, je vais à la maille suivante. Je vais chercher le fil. Un jeté à travers deux. Un jeté à travers trois. Voilà, on va faire ceci tout le tour jusqu'à arriver ici. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, quand vous êtes arrivé au bout de la finition de vos diminutions, on va fermer avec une maille coulée. Ici, un, vous allez deux, hop, je vais attraper ici et je vais fermer avec une maille coulée. Voilà, nous avons commencé à faire la tête, voyez, la tête est faite de l'ange. Maintenant, vous allez faire trois mailles en l'air et on va faire tout le tour. Alors, trois mailles en l'air, attention, hop, une, deux, trois. Dans le même espace, vous allez faire une bride à l'intérieur. Voilà. Ensuite, à la prochaine maille, on va faire, alors la prochaine maille, elle est là, trois brides dans la même maille. Trois brides. Prochaine maille ici, deux brides. On va faire deux, trois, deux, trois. Voilà. Deux brides dans la même maille, prochaine maille, trois brides à l'intérieur et jusqu'à arriver au bout. Dès que vous êtes arrivé au bout, ben on se retrouve. Voilà, maintenant vous êtes arrivé au bout, on va faire pareil ici. On va compter une, deux, à la troisième maille, vous allez faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire la collerette. Là, on a commencé à faire la collerette. On va refaire un deuxième col, ce qui va nous servir à faire les espaces pour les ailes. Nous allons faire trois mailles en l'air. Dans le même espace ici, les trois mailles en l'air, vous allez faire une bride. Et dans chaque maille, voyez, vous allez faire deux brides dans chaque maille. On va faire un rang d'augmentation. Deux brides ensemble dans la même maille. Deux brides ensemble dans la même maille. Allez, hop, dans la maille, hop, une bride. Une deuxième dans la même maille. Et ceci, tout le tour du rang et on se retrouve au bout. À de suite. Et voilà, je suis arrivée au bout. Vous voyez, la tête est formée, la collerette est formée. Et regardez ce que ça donne. Ça fait un chapeau, mais ce n'est pas un chapeau. Là, nous allons faire ici, de là à là, et d'ici à ici, des séparations pour faire ici, les ailes, pour faire les emplacements des ailes. Alors, nous allons faire ici comme d'habitude, 1, 2, à la troisième, maille coulée. J'ai un peu la voix cassée, excusez-moi. Maintenant, vous allez faire une maille en l'air, et on va faire les séparations. On va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous sortez le fil, parce qu'on va compter maintenant 17 mailles pour faire la séparation pour l'aile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Alors, attendez, je regarde parce que, oula, c'est blanc, ça fait flasher. Dix-sept ici. Vous mettez votre doigt. Vous allez récupérer la laine. Ce n'est pas grave, même si vous ne l'avez pas serrée. Ou vous la serrez comme ça, ou vous le faites au dernier moment. Vous allez dans la maille ici et vous allez faire une maille serrée. Une maille serrée. Voilà. Première séparation. On travaille au niveau des ailes. Là, c'est la première aile. On va recommencer comme ça, encore 9 fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et on va faire pareil pour la deuxième aile. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Vous sortez le fil de votre crochet et vous allez recompter, pardon, 17 mailles. On va recompter 17. Donc, celle-ci, on ne la compte pas, elle est travaillée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12. Alors, je mets le crochet là. 13, 14, 15, 16 et 17. On arrive au point de départ de la maille serrée ici. Vous voyez, vous avez une maille serrée là, et bien ça tombe bien. Hop, voilà. La deuxième manche, on va la mettre ici. Maille serrée pareil. Vous rentrez le crochet, vous faites une maille serrée. Et voilà. Regardez. Vous avez fait vos séparations au niveau des ailes. Première aile, deuxième aile. Maintenant, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. On va faire une deuxième bride à l'intérieur. On va faire une, deux mailles de séparation. On va sauter une maille dans la deuxième ici. Attendez, c'est pas évident avec la maille coulée. Alors, une maille dans ici, on va faire deux brides dans la même maille. Vous allez faire le tour comme ça. On va le faire ensemble parce que ce n'est pas évident. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième, faire deux brides dans la même maille. Un groupe de deux brides. Une maille de séparation. Vous sautez une maille, vous allez dans la prochaine, vous faites un groupe de deux brides. Une maille de séparation. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième. Voilà. Je me suis trompée. Je vous ai dit une séparation, c'est deux mailles de séparation. Je suis désolée. C'est parce que j'étais en train de penser au bras, moi. Oui, j'étais aux ailes déjà. Deux mailles de séparation. Je saute une maille, un groupe de deux. Ça, c'est bon. Deux mailles de séparation. Vous sautez une maille, vous allez la prochaine, vous faites un groupe de deux. Là, je préfère. Ah, mais les erreurs, on en fait toutes, hein. Deux mailles de séparation. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième, vous refaites la même chose. Et on va faire ça tout le tour jusqu'à arriver à la première aile. Je vous explique comment. Deux mailles de séparation. Oui, je les ai fait. Je saute ici. Et voilà. Deux mailles de séparation. Et ici, dans l'intérieur, faites deux brides. Dans l'intérieur, vous avez la maille chaînette, des quatre mailles en l'air, vous faites deux brides. Deux mailles de séparation. Vous allez ici, dans la première bride, vous refaites deux brides. Deux mailles de séparation. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième, vous faites vos deux brides. Deux mailles de séparation. Pareil, on va faire tout le tour comme ça. Donc, ça ne change pas. Je ne vais pas vous le dire puisque vous commencez à comprendre le tutoriel. Tout le tour comme ça. Premier tour comme ça. On saute, on va à la deuxième. Deux mailles de séparation. On saute, on va à la deuxième, deux brides dans la même maille. Deux mailles de séparation. Et là, nous allons faire deux brides pareilles dans les quatre mailles en l'air de l'aile.
deux mailles de séparation. Maintenant, on va faire une, deux, à la troisième maille, maille coulée. Voilà, j'espère que vous avez compris comment vous devez faire. Maintenant, vous allez procéder. Alors, c'est très facile. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout parce que le tuto va être trop long. Vous allez procéder. Ici, vous avez fait vos deux mailles en l'air. Donc, vous recommencez trois mailles en l'air. Vous allez ici faire une bride. Et là, au lieu de faire deux mailles de séparation, vous allez en faire trois. Trois. Et vous allez faire bride sur bride dans les groupes de brides. Trois mailles de séparation. Et vous allez faire ça tout le tour. Et mailles coulées. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir 2, 3, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air. C'est-à-dire 2 séparations, 3 de séparation, 4 de séparation et 5 de séparation. Quand vous avez fini ces rangs-là, vous allez procéder la même chose. On se retrouve pour les deux rangs de finition. Donc je vous dis à de suite, parce que c'est quand même du travail, il faut aller très très vite. Donc, n'oubliez pas de faire ici votre deuxième rang, c'est deux brides sur bride, trois mailles de séparation, deux brides dans chaque. Voilà, je vous remonte pour celles qui n'ont pas compris. Voilà. Trois mailles de séparation, bride sur bride. Du moins, il n'y en a que deux à faire. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Trois mailles de séparation. Et vous allez faire ça tout le long du rang jusqu'à arriver ici. Vous allez à la troisième maille faire une maille coulée. 3 mailles en l'air, vous refaites une bride, 4 mailles de séparation. Et après le quatrième rang, ça sera 5 mailles. Voilà, je vous rejoins tout à l'heure, dès que j'ai fini, je vous dis à de suite. Voilà, je suis arrivée au bout de la robe de l'ange. Enfin, voyez, donc on a commencé par 2 mailles de séparation, 3 mailles de séparation, 4 mailles de séparation, et on a fini avec les 5 mailles de séparation. Maintenant, nous allons fermer une, deux, à la troisième maille ici, d'une maille coulée. Voilà. Voilà la robe terminée. Nous allons faire maintenant les deux derniers rangs de séparation, parce qu'on va faire une jolie robe. Voyez, la finition, comme elle est belle. On va faire ce rang-là et on va finir ce rang-là. Voilà. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ont du coton ou de la laine, doubler la laine et doubler le coton. Voilà, ça vous évite de l'amidonner. Si vous le laissez avec une seule laine, il va être flasque. Il va tomber comme ça. Que là, voyez, je le mets comme il faut. Il ne tombe pas. Voyez, il bouge pas. Votre ange, il reste debout, droit. Donc, on va continuer. Donc, voilà, on va faire trois mailles en l'air. Non, pardon, pas trois mailles. Une maille en l'air. Une maille de séparation ici. Une maille de séparation dans l'espace. Une, deux, trois. Et vous allez faire deux brides à l'intérieur de... Voyez ? Voilà. Vous allez faire deux brides. Ça vous fait trois avec la première. On va faire pour ce fait maintenant. Nous allons faire, normalement, c'est deux mailles de séparation pour les trois brides. Voilà. Deux mailles de séparation et trois brides. Donc, deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air, qui comptent pour deux mailles de séparation. Et dans chaque espace, jusqu'au bout de... Ici, vous allez faire le tour. Arrivé ici, on va se retrouver. Vous faites trois brides dans chaque espace. Voyez ? Deux mailles de séparation. Dans chaque espace, vous allez travailler trois brides. Vous sautez les groupes de deux. Voilà, voyez, trois brides dans les espaces, deux mailles de séparation. Et vous allez faire ça tout le long et on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, j'ai fini le tour. Comme je vous ai dit, trois brides dans l'espace, deux mailles de séparation. Arrivé au bout, vous comptez une, deux, à la troisième maille, vous allez faire une maille coulée. Maintenant, ça va être très, très, très facile. Vous allez avancer ici en maille coulée. On va faire une maille serrée. On va monter une, deux, trois, quatre mailles en l'air.
Et on vient ici faire une maille serrée. Je recommence. Nous allons faire ici une bride. 4 mailles en l'air. Ici, vous avez la bride et un espace. Vous mettez votre crochet, cherchez le fil et vous faites une maille serrée. Vous faites 3 fois. Et ça fait des picots. Nous avons commencé les picots. Donc, quand vous arrivez ici, vous faites une maille coulée. Une maille serrée ici, 3 ou 4 mailles en l'air. Vous venez piquer dans l'espace ici de la maille serrée. Vous faites une maille serrée. Vous allez faire exactement le troisième point comme ça. Vous allez planter votre crochet dans l'espace et faire une bride. 1, 2, 3, 4. Et vous allez le piquer dans l'espace ici où il y a mon pouce. Vous allez faire une maille serrée. Vous allez chercher le fil et vous faites une maille serrée. Et vous avez fait vos 3 picots. Ça va être 3 picots dans chaque espace. Vous allez travailler tous les espaces comme ça, tous les espaces de la même façon. Ça, c'est le dernier rang de la finition de la robe. Et nous avons fini la première partie du tuto ange. Et on se retrouvera pour la deuxième partie, les ailes et l'auréole, la petite couronne. Donc, je vous remontre une dernière fois. Vous allez maintenant, là vous avez vos 3 brides, vous allez dans la deuxième ici, faire une maille serrée. Attendez, je me suis trompée. Une maille coulée, pardon. Une maille coulée. Vous allez faire une maille serrée ici. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et là, dans l'espace ici, vous allez faire une maille serrée. Premier picot. Deuxième, c'est une bride. 4 mailles de séparation. Vous allez entre la bride et dans l'espace ici, faire une maille serrée. Deuxième picot. Vous recommencez le troisième pareil. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace ici, vous allez planter votre crochet, reprendre le fil et une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le long. Voyez? Une maille coulée ici. Dans la dernière bride, vous faites une maille coulée. Une maille serrée à l'intérieur de votre espace. 4 mailles en l'air. Et vous allez répéter ceci tout le tour jusqu'à arriver ici. Je vous retrouve de suite pour la deuxième partie pour les ailes. Donc, voyez, je vous montrerai à la fin ce que la robe donne. Voilà. Et la prochaine deuxième partie, c'est les ailes et l'auréole. À de suite. Alors, voilà. La fin, on y arrive. Donc, je vais vous remontrer une dernière fois. Dès que vous avez fait vos 3, ici, picots, vous allez ici, là, la première bride ici, faire une maille coulée, vous rentrez dans l'espace, vous faites une maille serrée, vous montez 4 mailles en l'air, et ici, dans l'espace de la maille serrée, vous allez faire une autre maille serrée. Un jeté, à côté, vous allez faire une bride, 4 mailles en l'air, et entre la bride et le premier picot, ici l'espace, vous allez faire une maille serrée. Vous refaites une dernière bride. 4 mailles de séparation. Et vous allez refaire une maille serrée dans l'espace. Et là, vous allez ici faire une maille coulée pour fermer. Et vous avez fini votre robe de l'ange. Vous coupez et hop, vous prenez une aiguille. Bon, moi, je le ferai en bas parce que j'ai oublié mes aiguilles, j'en suis désolée. Regardez. Bon, là, il est plus gros, c'est normal, on a doublé la laine. Que là, c'est une laine spéciale de Zeman que j'ai doublée, qui était plus fine que celle-là. Donc, elle fait petit, celui-là, il fait plus grand. Voyez, vous n'avez pas besoin de la midonner. Voilà, hop, ça fait comme une robe de princesse. Mais à part que c'est un ange. Voilà, votre robe est terminée.
Je vous retrouve pour la deuxième partie, pour les ailes et l'auréole. À tout de suite!